Je m'appelle Aliou Sané, je suis coordonnateur du mouvement Yanamar. Et les camarades m'ont fait l'honneur de modérer cette conférence de presse-là. Et ce que j'accepte avec beaucoup de plaisir. Avant de donner la parole au doyen Mignan Diouf qui va faire la déclaration liminaire en français, et ensuite mon frère Ousmane Ouad de Frappe qui fera la version en super bon Wolof, je le sais parce que je l'ai vu le faire. Donc je vais déjà introduire juste pour dire que le mercredi 27 novembre déjà, un collectif composé de Frappe France Dégage, du mouvement des Gilets Rouges, du SNP Sénégal Notre Priorité, de Nitu Deug des Valeurs, du FDS et du Forum Social Sénégalais, avait initié déjà en réponse à la hausse annoncée du prix de l'électricité, avait annoncé déjà une marche qui partirait de la place de la Nation au rond-point de la RTS, pour déjà s'insurger contre cette hausse qui vient appauvrir davantage le Sénégalais lambda, surtout parce que c'est du Sénégalais lambda qu'il s'agit, parce que ceux qui sont dans le système, ils ne sentent aucunement cette hausse-là. Et il y a eu ce qu'il y a eu, vous avez vu, les gens ont été contraints de tenir juste une conférence de presse, mais qui avait déjà donné le ton à partir de la place de la Nation. Et suite à cela, rendez-vous avait été donné aussi pour une marche pacifique qui partirait de la place de l'Indépendance au gris du palais. Parce que l'idée même, c'était pour, comme tout citoyen sénégalais, de pouvoir marcher pacifiquement et de pouvoir déposer, dans tout le respect qui s'y est, une lettre de protestation. Je pense que c'était même ça l'idée. Et les camarades initiateurs étaient très ouverts par rapport à cela, du moment où leur initiative était pacifique. Et tous les Sénégalais ont vu tout ce qu'il y a eu quand ils ont annoncé cet événement-là. Mais malheureusement, comme on est au Sénégal, où tout le monde constate le recul démocratique qu'il y a en matière de droit de marche pacifique, cette activité a été, cette marche a été interdite par l'autorité. Ce qui n'a pas respecté les droits des citoyens que nous sommes. Nous voulions juste marcher pacifiquement pour protester contre cette hausse du prix de l'électricité et surtout refuser cette hausse annoncée qui est d'ailleurs normalement entrée en vigueur le 1er décembre. Et c'est dans ce cadre que des camarades ont initié cette marche pacifique-là pour aller devant les grilles du palais. Certains ont été arrêtés en cours de chemin. Et des camarades comme Guy Marius Sagna ont pu arriver devant les grilles du palais à main nue. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de projectiles, ils n'avaient rien du tout. Des citoyens qui sont arrivés devant le palais présidentiel pour dire non, les Sénégalais ne veulent pas de cette hausse du prix de l'électricité. Et vous avez tous vu ce qui s'en est suivi. Il a été malmené. Vous avez tous vu Guy Marius Sagna qui n'a, les gens ont commencé à parler de violence exercée sur, je ne sais pas, un agent dans l'exercice de ses fonctions. Moi-même, j'ai partagé la vidéo hier. Au contraire, c'est Guy Marius Sagna, en tant que citoyen sénégalais, qui a été malmené. Et c'est tous les autres, Babacar Diop qu'on a vu aussi, qui a été malmené et arrêté, et tous les autres citoyens qui ont été arrêtés de façon injuste, parce qu'ils veulent juste de façon pacifique, dire que nous sommes fatigués, nous autres Sénégalais, en dehors du loyer qui est exorbitant, de la cherté de la vie, des denrées de première nécessité, de l'eau, on va encore nous tuer davantage, nous doggali avec cette hausse annoncée du prix de l'électricité. Donc, depuis ce jour, depuis vendredi, nos camarades sont en garde à vue et actuellement, au moment où nous vous parlons, ils sont au parquet, je pense, ils sont déférés au parquet, ils doivent voir le procureur. Donc c'est dans ce contexte-là que nos mouvements ont décidé de tenir cette conférence de presse qui va être le début de tout un processus, le début de quelque chose. Mais avec comme lame de fond, refuser, mais vraiment refuser, que l'on nous détourne de ce combat-là sur la question de l'électricité, de la hausse du prix de l'électricité. Donc je vais m'en arrêter là pour l'introduction. Je donne la parole au doyen Mignan Diouf
qui va rentrer dans le vif du sujet et qui va nous lire la déclaration liminaire en version française. Merci beaucoup. Nos amis de la presse ici représentés, merci aussi à tous ceux qui sont dans la salle et qui sont venus manifester leur soutien et leur solidarité à cette bataille qui est la bataille de tous les Sénégalais, j'allais dire de tous les Africains et de tous les citoyens du monde, épris de paix, de justice et d'égalité. Je vais donc, au nom du groupe, du collectif, lire le texte liminaire intitulé « Hausse des tarifs de l'électricité, arrestation des manifestants ». Conférence de presse du lundi 2 décembre 1919. Le mardi 26 novembre 2019, le directeur général de la Sénélec, lors d'une conférence de presse, a confirmé l'entrée en vigueur de la hausse du prix de l'électricité au Sénégal. Dans ses arguments, il a évoqué un manque à gagner de 12 191 millions enregistré, dit-il, par ses services depuis le début du dernier trimestre 2019. Une hausse située entre 6 à 10% et qui arrive contre toute attente au moment où l'opinion s'attendait plutôt à une baisse des tarifs suite aux propos de l'ancien directeur général de la Sénélec, M. Cissé, qui promettait il y a de cela quelques mois une baisse du coût de l'électricité en 2020. Nous sommes à quelques minutes, à quelques heures de 2020. Cette décision, dont les arguments justificatifs tardent à convaincre, a été aussitôt dénoncée par l'opinion publique en général, qui a rejeté et condamné cette mesure qui viendrait renforcer les difficiles conditions de vie des populations déjà fatiguées par le coût de la vie. Si des progrès sont faits, comme l'annonce des dirigeants de la boîte, la Sénélec, avec un taux d'électrification passé de 58% en 2012 à 69% en ce moment, et que dans les zones rurales, ce taux s'élève à 43% actuellement contre 26% en 2012, cela ne voudrait-il pas donc dire en bon comptable que les abonnés ont presque doublé. Et ça renvoie donc en comptabilité au principe du grand nombre. Alors, avec un nombre important d'abonnés, les prix auraient dû être à la baisse et non à la hausse. Il s'y ajoute que la décision de la Sénélec nous disait donc quelques semaines avant la campagne électorale que la boîte s'est stabilisée, je cite, et pourrait même envisager de vendre du courant dans la sous-région, et qu'une hausse des tarifs n'est pas envisageable, mais plutôt une baisse en 2020. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui est à la base du manque à gagner de 12 milliards 191? Est-ce que les abonnés n'ont pas payé? Est-ce un problème de mauvaise gestion? Autant de questions qui méritent des réponses. En tout cas, si c'est un problème de gestion, ce sont les responsables de cette gestion qui doivent payer et non les populations sénégalaises déjà essoufflées. En effet, c'est dans ce cadre que beaucoup d'organisations ont condamné cette mesure inopportune, impopulaire et injuste. Des syndicats comme la CSA, la CNTS ont dénoncé et condamné cette décision. Des organisations de consommateurs en ont fait de même. Dans la même foulée, des mouvements comme FRAP, Gilets Rouges, SNTP, Nitu Degue, des valeurs, FDS, Forum Social, etc., ont initié une marche de contestation et informé l'autorité préfectorale qui n'a répondu que tardivement et en imposant une autre unité itinéraire qui n'était pas le nôtre. Face à une telle attitude, les membres de ces organisations ont voulu manifester calmement
et ils ont été arrêtés devant le palais et gardés à vue depuis le vendredi dernier. Considérant le droit à la manifestation, qui est un droit reconnu dans la Constitution, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de nos camarades. Nous invitons toutes les organisations syndicales, celles des consommateurs. Nous invitons les citoyennes et les citoyens sénégalais à faire face à cette situation et à refuser cette mesure de hausse des tarifs qui ne se justifie pas. Et nous restons déterminés, engagés dans la lutte contre cette décision et pour la libération immédiate de nos camarades qui sont, entre autres, particulièrement Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop, Papis Jim, Leus de Tek, Abdoulaye Touré, Pape Abdoulaye Touré, Souleymane Diokou, Malik Biaï, Diao Diallo et Oumar Sarr. Ils sont encore détenus à la cave attendant de rencontrer monsieur le procureur que vous savez. Nous invitons aussi toute la population à la marche prévue contre la hausse de l'électricité et coût de la vie. Une marche qui est prévue le 13 décembre à Dakar et qui va rassembler tous les mouvements de consommateurs, les initiateurs ici devant vous, devant à la table, les syndicats et tous les citoyens sénégalais qui sont déjà fatigués et qui ne peuvent pas continuer à supporter que 10 francs de plus, 60 francs de plus, 5 francs de plus soient ajoutés à leur calepin de dépenses quotidien déjà suffisamment troué. Donc, vive la lutte pour la justice, l'équité et l'égalité. Vive aussi la détermination de ces mouvements sociaux pour la libération de nos camarades détenus, injustement fait à Dakar le 2 décembre 2019. Merci, monsieur le président.